Pinguet, j'ai 33 ans, je suis en couple, j'ai un enfant qui a 3 ans. Je fais partie de Golf Plus depuis 2006 et je suis propriétaire du magasin depuis 2010. Nous, on est un petit magasin de Tours qui a besoin d'avoir des conditions commerciales négociées mais un plus grand volume. Et nous, on n'a pas besoin de ce gros volume-là, donc en achetant petit, on bénéficie de maxi-remises. Voilà le but de faire partie du groupe Golf Plus. Depuis qu'on est passé Golf Plus, notre chiffre d'affaires s'est largement développé grâce notamment à la notoriété du groupe. Donc notre expérience, elle est juste dingue. Depuis qu'on fait partie de Golf Plus, on fait vraiment partie des magasins incontournables de la région. Là, en plus, on vient de passer 2 années difficiles avec le Covid. Le fait de s'appeler Golf Plus permet d'avoir un petit peu plus de souplesse par rapport à pas mal de choses. Sur des délais de paiement, sur des délais de livraison, sur des choses comme ça. Tout seul, c'est très compliqué de pouvoir négocier et d'avoir des conditions comme ça. Les bonnes pratiques, c'est courtois, sérieux, organisé, aimable, enfin tout ce qu'il faut pour être un bon commerçant. Je dirais que le fait de jouer au golf est super important, mais que généralement quand on a un magasin de golf, on pratique le golf. Moi en plus je suis golfeur professionnel, donc les gens nous connaissent à travers moi aussi un petit peu. Et pour commencer l'aventure dans le golf, commencez avec Golf Plus, vous n'y verrez que du plus. Je m'appelle Eric Le Breton, marié, 2 enfants. Nous, on est une famille de golfeurs, on est né de Nantes, un peu comme la famille Schmidlin. Hein. Et donc maintenant, 6 ans, ou voire, je dirais plus, 7 ans, 8 ans, en fait, qu'on est franchisé maintenant. Golf Plus, c'est d'abord le plus gros réseau de distributeurs de golf en France, hein, et une structure avec des vraies valeurs. Hein. L'entité Golf Plus, c'est le centre d'entraînement et le magasin. Le centre d'entraînement, c'est un fitting center en libre service, en plus de fitters qui sont capables de conseiller tout au long de l'année. En fait, les gens qui vont venir essayer le matériel et toutes les marques qu'on peut avoir à l'essai. Une franchise, c'est aussi des volumes d'achat, c'est aussi des volumes faits avec les marques et en fait, plus de consistance, plus de puissance dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les marques. L'autre point qui est très important, c'est qu'il y a tout un bagage derrière de supports logistiques comme le catalogue Golf Plus, comme la marque Greens, et aussi en fait des gens qui sont installés au marketing qui nous font notre communication. Quand on a besoin de communiquer, on sollicite assez régulièrement en fait le siège pour savoir si on est en adéquation avec le marché ou si on se trompe sur certains secteurs. La famille Schmidlin dans son ensemble sont très à l'écoute des franchisés. Quand on a des besoins, ils sont là pour nous aider. J'ai choisi Golf Plus pour le nom. Une grande partie des gens qui viennent nous voir, ils savent où ils vont, ils savent où ils mettent les pieds, donc ils ne sont pas désorientés, ils connaissent l'enseigne et ils s'y retrouvent vite parce qu'ils ont déjà été dans l'enseigne avant ou dans une autre ville et donc ils ne sont pas perdus. L'avantage de chez Golf Plus, c'est qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on référence des marques qu'on veut, on référence les produits qu'on veut. Voilà, on n'a pas peu d'obligations, donc ça permet de pouvoir être libre tout en étant soutenu. Ce qui est possible de faire, c'est de pouvoir bénéficier du soutien des marques vis-à-vis de l'enseigne Golf Plus et donc de pouvoir avoir énormément de choix en termes de clubs de démonstration. Ça, c'est un point qu'on n'aurait pas en étant indépendant ou tout seul. On aurait beaucoup moins de choix, alors que là, on peut bénéficier du fait qu'on a un choix extrêmement large en termes des clubs d'essai. Et ça, c'est hyper important pour que le client trouve tout ce qu'il veut. Je m'appelle Eric Brochet, je travaille chez Golf Plus depuis août 1998 et je suis licencié depuis décembre 2007. Mon premier stage chez Golf Plus était en 1993 et j'ai commencé à travailler à temps plein chez Golf Plus en 1998. Donc je connaissais la maison depuis des années et des années, donc je ne me voyais pas ne pas continuer l'aventure chez Golf Plus. Mon expérience se déroule très bien, j'ai appris beaucoup de choses, je continue d'en apprendre tous les jours. Toujours une remise en question permanente et on essaye de s'adapter au marché au mieux. Et mon évolution, en 2014, j'ai ouvert un magasin éphémère en outlet. 2017, je l'ai ouvert à temps plein. Et en 2023, j'ai ouvert un nouveau magasin dans le sud, dans le Var. Donc oui, je vous dirais que l'évolution est bonne. Et toujours avec Golf Plus. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au niveau du magasin. Nous pourrons ainsi échanger sur les bonnes conditions pour devenir licencié Golf Plus.